Si ça se trouve, le vrai Dottore, il a 650 ans, il est en train de vivre dans une machine artificielle. Le mec, c'est le Vegapunk de Genshin Impact. En vrai, on n'en sait rien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Genshin Impact. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au personnage de Dottore, mais surtout à l'avis d'une partie de la communauté. Je dis bien une partie parce que j'imagine qu'on n'a pas tous le même avis, hein, encore heureux. Mais c'est vrai que je me sens un peu concerné par toutes les remarques que j'ai pu trouver, mais comme d'habitude, on en parlera en fin de vidéo. Donc, Dottore, un personnage charismatique qu'on nous tease depuis très longtemps maintenant à travers pas mal d'informations, que ce soit dans le jeu ou en dehors hein, d'ailleurs. En ce qui concerne le jeu, je pense notamment à la quête d'histoire de Tartaglia. En dehors du jeu, on a le manga disponible sur le site officiel qui démarre plus ou moins sur les chapeaux de roue avec une altercation entre Diluc et Dottore. Tout ça nous retrace pas mal l'histoire de Kolei, qui est un peu le personnage centrale dans le manga puisque tous les mystères tournent autour d'elle et des expériences qu'elle a subies, du moins pour les chapitres en cours. C'est super simple à suivre et surtout c'est ultra simple de comprendre ce qu'il se passe puisqu'ici on ne t'inonde pas de dialogues qui ne servent pas à grand chose, hein? N'est-ce pas Genshin Impact? Bref, je vous le recommande si vous n'avez toujours pas pris le temps de le découvrir. Récemment, Dottore, c'était un des personnages centrales de la région de Sumeru. On a pu approfondir le lore à son sujet. D'ailleurs, je vais sûrement spoil quelques informations, donc si vous n'avez toujours pas fini la quête d'Archon de Sumeru, je vous invite à passer votre chemin. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de divertissement. On n'en a jamais trop. Votre soutien est super important pour l'évolution de la chaîne. Je sais que vous passez votre temps à entendre ça sur YouTube. Malgré tout, c'est une réalité. Sans vous, la chaîne est vouée à disparaître, hein. Voilà, on peut le dire, c'est vous qui nous permettez de créer du contenu, donc votre soutien est essentiel. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour participer au sondage en rapport avec cette vidéo, vous aurez aussi du contenu exclusif comme les stories et les vidéos 3 faits sur les personnages. Rentrons dans le cœur du sujet, vous savez que Dottore a énormément de clones, il me semble que c'est des clones de lui à différentes époques, ce qui justifie parfois différentes apparences. On a souvent entendu que dans le manga, il avait l'air beaucoup plus jeune et que dans le trailer des Fatuis, celui où on voit le cercueil de Signora, il fait beaucoup plus adulte. D'ailleurs, l'apparence qu'il a dans le trailer des Fatuis, c'est l'apparence qu'on retrouve dans la région de Sumeru. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. N'hésitez pas à compléter les informations si vous en avez ou à corriger d'éventuelles erreurs de ma part, mais je pense que jusque-là, on est d'accord. Ensuite, tout est assez vague car je ne crois pas qu'on a le nombre exact de clones. D'ailleurs, on ne sait même pas si le Dottore qu'on a rencontré à Sumeru est le Dottore originel. En fait, je crois que factuellement, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir si le Dottore de Sumeru est le Dottore originel. Même s'il fait du blabla à la fin de la quête d'Archon à Naïda, il dit oui, je vais supprimer mes clones, blablabla. En fait, rien ne nous dit qu'on n'est pas en train de parler à un clone là actuellement. Si ça se trouve, le vrai Dottore, il a 650 ans, il est en train de vivre dans une machine artificielle. Le mec, c'est le Vegapunk de Genshin Impact. En vrai, on n'en sait rien. Après, je dis ça, mais en général, dans Genshin Impact, les informations qu'on nous donne, tu peux les prendre comme elles le sont sans trop réfléchir. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de super rebond scénaristique qui transforme toutes les informations qu'on ait pu avoir ou qui remet en cause tout l'univers. Parce que même si l'univers est étendu et assez complexe, finalement, ce qui le rend complexe, c'est le fait qu'on n'ait pas plus d'informations en soi. Sinon, ce qu'il se passe de façon générale, dans Genshin Impact, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est bien pour ça que le jeu est tout public. Donc, quand Dottore dit à Naïda « je vais supprimer mes autres clones », sans chercher plus loin, on se dit oui, bah c'est sûrement le Dottore originel qui parle, du coup. On s'attend pas à une pirouette scénaristique de la part de Yoverse, on s'attend pas à une surprise, hein, à ce que ça vole haut. Et c'est là où les joueurs sont un peu déçus, et je peux le comprendre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Dottore c'est un personnage entouré de mystères, c'est un personnage qu'on nous tease sur différents médias depuis un moment maintenant, et surtout, il avait cette particularité qui le rendait unique et intrigant. C'est presque la particularité sur laquelle était basé tout le personnage, celle d'avoir des clones. Et on ne parle pas de simples clones, car ils sont tous censés avoir leur propre spécificité, leur propre âge, leur propre expérience, par extension leur propre personnalité. Certains joueurs ont même été jusqu'à imaginer ce que chacun des clones aurait pu avoir comme œil divin. Je parle en termes d'éléments, du coup on aurait eu par exemple un Dottore qui manie le feu, un Dottore qui manie l'eau, peut-être un Dottore d'Endro, je ne sais pas. Bref, pour résumer, il y avait pas mal de hype et d'attente en ce qui concerne le personnage, mais pour les joueurs, pour les fans, tout s'est effondré lorsque Dottore accepte en négociant avec Naïda de détruire tous ses clones. Une partie des joueurs a vu ça comme une trahison, bon après faut pas exagérer, comme une facilité scénaristique d'Oyoverse, comme s'il ne souhaitait pas s'encombrer du lore de Dottore qui pourrait rendre les choses un peu trop compliquées, parce qu'en gros, il aurait fallu constituer une ligne scénaristique
pour chacun des clones et faire en sorte que tout soit cohérent, ce qui n'est pas une mince affaire dans un univers déjà étendu comme les Genshin Impact. A l'inverse, c'était peut-être aussi l'occasion d'ouvrir des portes scénaristiquement parlant grâce à ces clones. Mais ça, on le saura peut-être jamais du coup. Donc oui, les joueurs ont vu ça comme une déconstruction du lore d'un personnage, comme un aveu de faiblesse finalement. Donc ouais, ça a pas mal gueulé sur Reddit, etc. Il y a eu pas mal de débats autour de ça. Moi, j'ai carrément trouvé un article qui résume la situation pour vous dire. Je vous le mets à disposition dans la description si vous le souhaitez. En tout cas, en ce qui concerne mon avis là-dessus, j'espère vraiment qu'il va y avoir un rebond scénaristique à ce sujet. J'ose l'espérer, peut-être pas forcément en rapport avec les clones, mais j'imagine que Dottore sait très bien ce qu'il fait, et que si ne plus avoir de clones était aussi handicapant pour lui et la suite de ses projets, il ne les aurait sûrement pas supprimés, j'imagine. Aussi, dans la même idée que le Dottore originel n'est peut-être pas celui qu'on croit, mais celui que l'on veut nous faire croire, je me dis que c'est pas parce que Dottore dit qu'il va supprimer tous ses clones que ça va forcément se passer ainsi. Peut-être que c'est ce qu'il dit, mais que derrière il va faire une méga douille, tu vois, je sais pas. En tout cas, si on en croit la cinématique avec Naida, tout ça n'a pas vraiment l'air de le déranger. Au contraire, on croirait presque le mec, le bug, ça l'arrange. Hein. Je sais pas, mais donc à voir. Dans tous les cas, globalement, je crois en Hoyoverse. Je suis sûr que la suite sera à la hauteur, du moins je l'espère. Mais vous l'avez compris, j'aime bien l'idée que même si des choses sont dites dans les dialogues, tout ne va pas forcément se passer de cette manière. Un petit peu comme dans l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, où des fois t'as un personnage qui va partager des informations parce qu'en ce qui le concerne, il pense que les informations qu'il partage sont vraies, alors que dans la réalité, dans ce qui compose l'univers, le mec a tout faux, mais il ne le sait pas. Du coup, nous, en tant que spectateurs, on prend l'information comme elle nous l'est donnée, puis, quand on avance dans l'histoire, on se rend compte que la réalité est bien différente des propos tenus par le personnage. En tout cas, je vois un petit peu les choses comme ça, je demande à voir les événements pour les croire. N'hésitez pas à me partager vos attentes concernant le personnage de Dottore. Dites-moi si c'est un personnage que vous attendez ou non. Pensez-vous qu'il a réellement supprimé ses clones? Vous me le direz en commentaire. N'oubliez pas le j'aime et l'abonnement, ça motive. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était La Pomme Noire, ciao ciao.